champion de Carcassonne, pour qu'on a dit la même propre. Et on est là, 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 Est-ce que vous avez confiance à la justice? Oui, bon, il n'est au-dessus de la loi. La justice ne peut pas falsifier le dossier. Parce que nous savons réellement que ce qu'il a fait, il a la main propre. Là, les avocats sont là pour ça. Si toutefois il n'est pas libéré, quelles sont les suites? Bon, je ne veux rien dire là-bas. Et je sais qu'il va être libéré. Parce qu'il est arrêté pour quelque chose. Réellement, qu'il a, il est innocent. J'ai la certitude. Je sais qu'il va être libéré. Voilà, deuxième question. Il sera libéré. 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 Normalement, la justice doit...
Comme ils l'ont caché, la grande délit. Ils l'ont caché très bien leur vote. Pour prendre quelqu'un, il faut le tuer, que l'État soit appelé, qui même la personne soit au courant que vraiment je suis coupable. Mais s'il n'est pas coupable, on le prend comme ça, vraiment. Moi, je suis un peu décevant de ma part, puisque c'est nos hommes, grands hommes de ce pays-là. Commencez par du temps de général d'Angela Kwame jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est le lobbying du pays. Madame Catherine n'est pas aussi le seul là-bas. Oui, le seul. Il y a le ministre Zakaria qui est là-bas. On a confiance à eux tous. Ils sont tous les membres des premiers du RPG. Donc on a confiance à eux. On continuera encore à leur soutenir. Toujours, on est derrière eux. Rappelez-vous votre nom. Rappelez-vous votre nom. Mon nom c'est Binette Sarampoye. Je suis une militante du RPG canadien et je suis fière d'être à Après encore, je suis fière. Donc vraiment, mon parti, je le soutiens. Vive le président Kassou. Vive l'Alpha Bondé. Monsieur Doumbouya donne la main libre à notre champion qui a pu nous donner le courage. Il a posé des actes. Ils sont en train de faire que l'État c'est une continuité. Donc vraiment, on prie pour lui à vraiment et donner l'honneur, même si tu n'aimes pas quelqu'un. Tu n'aimes pas le chien, mais pour le quand même qu'il a ses dents. Donc je voudrais Monsieur, on a pris par exemple le dit après. On a pris par exemple Dr Gianni en tant que ministre d'État à la défense. Si on doit condamner Dr Gianni, il faut faire appel au chef d'état-major interarme et au chef d'état-major des différents corps particuliers, c'est-à-dire de l'armée. C'est-à-dire que ça soit maintenant l'armée de l'air, de terre, de partir à gérer avec ses gars. Il faut absolument qu'on les fasse venir. Nous allons les députés aussi. C'est une procédure. Justement, c'est pour ça, au jour d'aujourd'hui, je voudrais que le tribunal militaire commence maintenant à écouter son couteau. Parce que si vraiment le procureur a décidé de asseoir sa révision judiciaire, il faut écouter même les chefs d'état-major interarmes et les chefs d'état-major particuliers. Et si les faits qui leur sont reprochés ne sont pas poursuivis devant le tribunal. Nous respectons la loi. Nous respectons la loi, mais le fait de dire que c'est on l'a pris en flagrant délit et on le met directement en dépôt, c'est ce que nous n'avions pas. Nous avions voulu qu'on respecte toute la procédure. S'ils ont perdu la boussole, on nous dit ça, si c'est vraiment la procédure, donc à respecter toute la procédure. Nous ne sommes pas contre. Il n'y a pas de preuve, ça. Mais il faut respecter. Dès que tu dis que vraiment c'est un flagrant délit, il faut que tu aies passé. Vous estimez que la boussole est en panne? Bon, la boussole, je ne sais pas, mais vraiment, nous ne sommes pas sous la voie de la boussole autour de nous. Nous sommes très clairs. Rappelez-nous votre nom, monsieur. C'est monsieur Bourifat.